Bonsoir à toute fanatique de Chanel, merci pour support et fidélité à Chanel par là. Pour vous-même qui faites brancher, nous dire bienvenue. Nous comptons accueillir sous plateforme ça. Et surtout, activer cloche notification hein, tout de suite après au fin subscribe pour capable être en contact avec nous parmi les premiers monde qui toujours jouent une vidéo. Yo, et puis, songez, partagez information, yo, pas fait égoïste. Bonsoir, bonsoir à nous toutes, quel que soit côté. Que n'a suivi c'est là ça je dis un hein, non pas moi c'est docteur Gabo de IFCUSA comme nous connaît et spécialement n'a salué nous tous qui du côté d'Haïti qui bon que nous connaît que n'a traversé des moments qui très très difficiles et nous gain pile monde qui appelle nous matin midi soir premièrement pour dire nous que nous recevoir autorisation de voyage. Cependant, il n'y a pas qu'à voyager, il y a des gens qui sont bloqués, etc., etc. Nous voulons dire que, comme d'habitude, nous-mêmes, ici, le bagage s'est passé, nous n'avons pas été chita. Nous avons frappé toutes portes possibles et imaginables pour nous voir comment est-ce que nous sommes capables d'accompagner nous d'une manière ou d'une autre. Premier bagage que nous voulons dire, c'est que, en pile organisation mettait ensemble, en pile monde que nous relais officiels, yo, monde qui sénateur, député, etc. Nous rencontrer avec les tout pour chaque jour pour nous expliquer yo de situation haïtienne et puis pour nous voir comment est-ce que yo capable d'aider. Actuellement là, nous en faisons demande puis bon, nous demander pour yo capable encore une fois redésigner Haïti pour ça nous relais en TPS ou un temporary protective status, status temporaire, de protection temporaire pour moun ki la yo depuis après novembre yo capable rive appliquer pour que yo capable de nou statut nan pays et nous c'est des démarches que n'a entreprendre et n'a kembe au courant dans la mesure que nouvelle la ta tombé nous connaît que ici a parmi les premiers pour faire nous connaître. Pendant ce temps, nous avons demandé un pile aide humanitaire pour nous-mêmes qui en Haïti, parce que nous connaissons que la situation est très, très difficile. Nous n'avons pas le travail, pas gagner accès avec les services. Donc, beaucoup de pas nous, nous pas dormi parce que matin, midi, soir, nous avons communiqué avec toute autorité que nous connaissons, que nous sommes capables de communiquer avec eux pour nous demander yo, pour nous qu'aimer le dossier haïtien. Nan priorité yo. So, gen pile promesse et nous espérons très bientôt venir en bas ou quelques résultats de toute démarche que nous-mêmes avec toute l'autre communauté, leader de communauté yo, a fait. Nous aussi, t'avais dit ou même qui te recevoir et autorisation de voyage ou et qui pour qu'à voyager ou pas besoin de bâtir de problème. Ou pas besoin de penser que ou qu'al perdu la seule chose l'important pour que sponsor là aller dans account USCIS là pour demander une extension c'est-à-dire que si par exemple nous là en mois de je veux dire c'est 1er avril on veut oublier je veux dire 1er avril pas le poisson d'avril là mais quand même m'a prévu poisson d'avril là pour nous après mais si par exemple en je veux dire 1er avril et que on connaît que travel duration ou en pral fini 30 avril, l'important depuis kounya ou aller dans account là, yo rendi plus facile kounya pour ka communiquer avec et USCIS à travers account ko gagné. So ka aller dans account là et puis ou mander une extension ou expliquer pour qui raison et pour mander pour peser mander une extension pour moun là, ça veut dire que au lieu pour le voyager 30 avril, yo capable bal ou l'autre extension pour 90 jours encore. Ça veut dire que nous pas appeler pour affoler parce que ouais jour arrivé sur vous et que beaucoup à voyager de pour sentir que bah vous qu'à marcher tant pris à travers account que nous t'ai créé là surtout sponsor a créé là yo capable aller pour demander une extension et puis en pile monde style a demandé nous pour question pour erreur que vous t'ai fait kounya encore ou pas besoin tuer tête le fond erreur. Depuis qu'on fait erreur dans l'application, que c'est erreur numéro passeport ou bien date de naissance, etc., ou pas besoin de tuer tête ou encore parce que ou après aller directement dans l'account USCIS, pour moi, ou à faire copier, ou à upload l'account là, dans ça que nous relais on sollicité document, ou à la dedans ou upload beau passeport là, et puis écrire un email ou dit mais bon numéro passeport là, ou retirer ancien parce que ancien pas marché. Que c'est dans c'est ça yon rele biographique ou erreur depuis gon erreur côté fait nan nom nan prénom nan l'âge
ou pas besoin de tuer tête ou pour appeler USCIS ou même aller dans A40 là, côté qui a une box là, ou capable d'écrire directement pour dire mais, make error. So far, nous capable de dire, répondre très rapide, le c'est mot, méthode ça, qu'on utilise. Parce que jusqu'à présent, quand on a dit oui, il fait erreur le passeport, oui, il fait erreur la date de naissance, oui, depuis qu'il y a erreur qui était faite, pas tuer tête tout, sous pas capable, relais sponsor, dis-sponsor, aller dans USCIS A41, aller dans inbox là, premièrement, aller côté nous les on sollicite des documents là, upload bon document qui montre mes bon nom moun nan, mes bon passeport moun nan, mes bon date de naissance moun nan, et puis l'offre fait ça ou aller écrire un email. L'offre aller écrire email là, l'important pour écrire, pour choisir une application qui était déjà faite et qui a juste fait un changement. Et pour faire ça, vous voulez aller dans l'espace de 48 heures, nous avons un pile monde recevoir réponse. So, pendant que tout le bagage n'est pas bon en Haïti, nous parlons pour plus affoler vous, pour que plus tête chargée, parce qu'actuellement, il y aura un processus d'apprentissage plus facile. Maintenant, je dis, nous ne sommes pas venus tellement pour nous parler de problème, ça, nous venons parler de l'autre opportunité. Et ça m'a dit, chaise bas, parce que ça nous a dit, tellement important. So, ou même, tu as suivi là, ça, et qu'on l'autre monde qu'on connaît qui a intéressé dans le programme ça, et qui pas vivre en Haïti actuellement, n'a pas de relais, texte, yo, dit, faut suivre là, parce que nous connaissons pas grand pile question, et nous connaissons, once que nous venons avec une information nouvelle, pour même, nous connaissons que la vie nous vient impossible parce que tellement de monde qui a prélé, tellement de monde qui a posé des questions. C'est ça que fait, nous allons prendre tant de bonnes informations, ça qui est très important, et spécialement pour nous-mêmes, qui était rempli forme I-34A en dehors d'Haïti. Tenez bien ça, va me dire, oui? Nous avons fini avec une autre opportunité pour nous-mêmes qui attend, OK, qui est appliquée depuis quelques temps, qui attend, mais qui était appliquée en dehors d'Haïti. Je suis sûr que vous comprenez ça, je vous dis, parce que nous parlons pour tout le monde dit yes, 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 moi éligible, et puis le ça, vous parlez d'elle. Mais ça, nous voulons dire, nous connaissons que grand pile de monde qui quitte Haïti depuis quelques temps. Il y a vivre Saint-Domingue, il y a allé au Brésil, il y a allé au Chili, il y a allé au Nicaragua, il y a allé dans d'autres pays. Quand il y a le programme I-34A a fini de tomber, pendant en dehors d'Haïti, tendez bien mot-clé que moi dis. Pendant que yo en dehors d'Haïti, gon sponsor qui appliqué pour yo sous forme I-34A. So, si vous faites partie de catégorie ça, c'est à vous à parler, je veux dire. Et ceci, mesdames, que tout le monde comprenne que n'a pas parlé de nouvelle opportunité, mais c'est pour monde qui remplit I-34A pendant que vous êtes en dehors d'Haïti. Mais ça clair, parce que l'information va être en pire et vous pour nous rater. Ça veut dire que si vous connaissez un monde qui était Saint-Domingue, et c'est pendant Saint-Domingue-là que le sponsor a été rempli pour lui, monde ça m'a parlé avec vous. Si vous connaissez un monde qui était au Brésil, au Chili, et puis c'est pendant au Brésil, au Chili, que vous avez rempli l'application, m'a parlé avec vous aujourd'hui. Et pour l'application hein, remplie avant. Tenez bien, oui, avant 30 septembre 2023. Encore une fois, rendissons-nous pour nous donner des informations parce que vous appelez pour nous poser la même question. En dehors d'Haïti d'abord, deuxièmement, faut application faite dans la période, leur programme a été commencé jusqu'à septembre, 30 septembre 2023. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que si ou même, ou t'es rempli l'application, t'es en dehors d'Haïti, ou rempli l'application en octobre, novembre, décembre, qui se passait là, ou pas, éligible pour le moment où ça ne parle pas l'IA. OK? Donc, moi, besoin sûr et certain que nous tenons. Troisième groupe, moi, que besoin parler plus avec eux, c'est sponsor. Parce que c'est sponsor qui va le faire, ça me va demander. OK? So, again, moi, besoin clair, besoin précis pour que nous capables de joindre information dans la bonne dynamique pour que nous pas reposer même question. Maintenant, ça gagne, pourquoi ça parle de tout ça? Gagne une entité qui est Welcome Corps, qui est associée avec Bureau de réfugiés et immigration dans ce que nous appelons le département et fédéral, le département travaille avec USCIS, avec Homeland Security. So, Welcome Corps, c'est comme si nous avions son embranchement qui là, job c'est pour aider réfugiés
rentrer aux États-Unis. Tenez bien. OK, ma prensam pour m'expliquer, c'est pour que nous capables clair. Ça nous relève un réfugié. Un réfugié, c'est un monde qui pas capable d'être dans le pays à cause de persécution, à cause de la peur et que l'État gagne, qu'on t'arrête et fait pas arrêter l'obligé de quitter le pays natal. OK, so le que où sont réfugiés l'État et gouvernement américain ils ont un programme pour ça même qui pour que pour aider moun ka courir pour persécution, moun ka courir pour n'importe qui bagaille qui fait politique, raison politique qui fait que pas arrêter dans le pays, ils ont un programme normalement que vous faites chaque année et programme n'a un nombre de réfugiés qui pour rentrer dans le pays et chaque année il y a travail avec différents partenaires qui pour aider. So, Kounia, welcome, comme ça le fait. L'ICU une branche qui pralmande ou même qui sponsor. Hein? Tenez bien, parce que je me un peu d'informations. Je connais ma obligé de retourner pendant la semaine ça deux, trois fois pour me clarifier pour vous, mais Kounia a besoin pour nous prendre une grosse idée. Hein? So, welcome, Cops, là. Il y a une application qui ouvre pour le moment. Application ouvre pour qui est, il ouvre pour si là, comme je t'explique là. Monde qui est rempli. I 134A en dehors d'Haïti et qui était rempli jusqu'à 30 septembre 2023, c'est-à-dire de janvier jusqu'à 29 septembre. So, depuis où tu la catégorie ça, Welcome Cops l'a demandé pour que vous rempliez une application préliminaire. Lorsque vous rempliez l'application préliminaire, là, que nous avons souligné après pour expliquer où ça allait, il y a fini pratiquement certifié pour que vous soyez capable de demander pour que Mounouan, bénéficiaire ouan, capable de nous interviewer pour que les rencontrer avec l'US Immigration Officer dans le pays côté lié, par exemple, capable nous connaître, nous avons plus de monde, c'est nous-mêmes, les capables d'aller, leur fin certified avec Welcome Corps, Welcome Corps soumettre application, hein, et puis qu'on y a pu nous interviewer avec officier immigration pour expliquer pratiquement pour quelle raison vous quittez Haïti, par exemple, c'est nous-mêmes, ou bien au Chili ou au Brésil, et puis à partir de là, il y aura le process paperwork qui vous permettre qu'on capable rentrer ici. Et faut que moi dis vous, d'après l'information que vous avez, dans la mesure que les sponsors, et nous, il faut nous bien mentionner, les parler de sponsors, pas parler d'un grand monde, parce que le programme est différent. Nous parler d'un groupe de monde, un groupe de 5 monde. Et again, je vais soumis encore pour plus d'explications. So, once que l'application finale est dans Welcome Corps, vous certifiez, vous passez tout ça, vous nous faites, vous voyez par US Immigration fait un appointment avec les bénéficiaires là, vous faites rendez-vous avec le fonds interview. Après interview, si tout le bagage passe bien, vous êtes capable de rentrer ici comme un réfugié. Maintenant, pour que ça soit important pour nous comprendre, pour que ça soit important pour nous t'aider. Parce que ici, différents programmes ont accès à différents bénéfices. Par exemple, pour nous-mêmes qui rentrons sur le programme Biden, non, okay? Et je nous rentre là, par exemple, là nous rentrons, nous connaissons que faut nous venir, faut nous obliger de venir ici ou bien dans l'autre organisation, faut nous faire une série d'applications pour vous, faut nous avoir une work authorization, et vous connaissez que, par exemple, ou là, pour une période de 2 ans, jusqu'à ce que vous disiez exactement qui s'est venu, qui s'est pas venu. Cependant, lors entrée ici comme réfugié, depuis qu'on est débarqué dans l'aéroport là, il y a tout barou, package avec vous, ou tout gagné, work permis tout ensemble avec vous. C'est-à-dire c'est pratiquement depuis où entrer, ou aller dans l'interview, et puis où entrer dans un port aux États-Unis, il y a tout barou, ok, work permis. Et l'autre bagage qui est bon, lors entrée comme réfugié, non seulement on a pile bénéfice que nous connaissons que tout le monde Biden qui est en Haïti, mais aussi limiter sous sacré un chemin pour que vous soyez capable de vivre dans le pays comme un monde qui est résident. Après 1 an, lorsqu'on rentre dans le pays comme réfugié, vous avez droit qu'on y a ou venir un résident des États-Unis. Et si tout le monde était bien, on n'est pas changé. Après 5 ans, vous êtes capable de devenir US citizen. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que leur entrée aux États-Unis comme réfugié, processus légal ou marché plus rapide, et puis accès à bénéficier au marché plus rapide. So, c'est dans ce sens-là que si vous avez un monde qui est éligible pour le programme ça, et que qui t'a voulu essayer
nous encourager pour qui raison, parce que bénéficie plus. C'est-à-dire que nous connaissons que Moon Biden, question toujours posée, oh, après 2 ans, ça va passer, après 2 ans, ça va passer. Bon, nous toujours disons, pas inquiété, parce que pas qu'elle vous aller comme ça. Cependant, après 2 ans, il y aura renouvelé, même je m'explique dernièrement, là, il était renouvelé pour les Afghans et pour les Ukrainiens. Ça veut dire qui ça? Là où me montrer comme réfugié ou pas gagné pour rien après 2 ans, ça passé. Parce que de pouvoir entrer comme réfugié, non seulement on a accès à pile bénéfice, mais aussi statut et upgrade beaucoup plus rapidement. Après 1 an, on gagne un statut de résident. Après 5 ans, on est capable de devenir citizen, ça veut dire capable de voter. Ça veut dire que grand pile avantage et intérêt si jamais vous avez rentré comme un réfugié au lieu que vous entrez dans le programme Biden. Maintenant, question que vous me posez, oh oui, bon, dans le programme Biden, déjà, m'attend. Et si vous m'attendez, et puis vous avez une application pour réfugiés à tout, qui ça vous fait? C'est la première question que vous posez. Ça vous fait, ça dépend de vous-même. Chaque monde est capable de réagir. De la mesure que vous êtes déjà certifié avec le programme que nous appelons Welcome Corps, hein, et que si jamais vous avez répondu à Biden, s'ouvre une petite chance pour tant, pour est-ce qu'il y a bon rendez-vous pour aller comme réfugié à Pito? Sous Kotoyéen, ou pas vraiment en courir? Par exemple, si on a Haïti, par exemple, nous connaissons que depuis mon Haïti, on se voit pas, bon, mon Haïti n'est pas qualifié pour ça, pour le programme, ça m'a parlé, mon cap vivre en Haïti. Cependant, nous connaissons qu'il y a besoin de courir rapidement. Mais de notre côté, on n'a pas obligé de courir rapidement, ou on a dit, on va bailler tête monde 2 3 semaines pour voir s'il y a répondu nous avant qu'on prenne une décision. Et the good news is that, you ne pas empêcher l'autre. Ça veut dire que si jamais, il répond sous programme et CHNV Biden programme, non, il pas empêché qu'on capable tout essayer programme réfugié. Donc ça veut dire que il ne pas déranger l'autre. Maintenant, n'a pas retourné parce que nous connaissons la bail là, plus l'information et on va poser des questions côté côté bailler, n'a pas retourné pour une bonne petite summary de ça nous se discuter hein, et puis nous allons entrer de sponsor. Sponsor yo t'a aimé ou même qui sponsor qui gagne famille ou qui sponsor depuis quelque temps, famille ou nous connaissons pile famille qui en dehors de Haïti co-sponsor ou même faut qu'on ait qui j'aurais le faire pour aller entrer dans le programme Welcome comme ça. So, premièrement, nous dit que il y a une possibilité si ou t'es appliqué pour le programme Biden, nous avons une forme qui s'est reçue en dehors d'Haïti, ou une possibilité pour appliquer dans le programme ça pour capable venir ici comme un réfugié au lieu qu'on vienne juste comme on toujours dit, comme Biden. C'est pas non ça, non, mais on utilise nous que nous utilisons. Donc, il y a une possibilité ça c'est une. Deuxièmement, nous dit que y a un pile avantage de venir comme réfugié au lieu qu'on vienne sous Biden. Okay? Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, nous parlons de sponsor. Qui a sa sponsor va le faire? Combien sa sponsor va le faire? Il faut y aller. Et nous allons faire une sorte de webinar sur une prochaine qui va nous inviter ou même tout sponsor yo, qui est intéressé, connaît plus de programme ça. Nous avons invité mon welcome comme ce qui a une bonne explication pour qu'on attende. Okay? Tout ce qu'on peut faire en façon pour que qu'on commence à remplir l'application. So, on qui sponsor qui est famille ou, côté rempli pour vous, et famille ça ou t'es déjà sorti Haïti, vous êtes dans Saint-Domingue, vous êtes au Brésil, vous êtes au Chili, whatever, whatever. Et que, quand vous avez aimé rentrer dans le programme Welcome comme ça, ce qui sont qu'à faire? Premièrement, vous demandez pour chercher 4 monde à vous. Parce que le programme ça, vous avez le private sponsorship programme. Ça veut dire que, c'est comme si en tant que sponsor, vous voulez rentrer mon yo, mais vous pas appelé pour faire le contour. Vous demandez pour un groupe de 4 autres monde avec vous, ça fait nous 7. So, ou même en tant que lead sponsor, c'est vous-même qui va faire l'application. Mais il faut joindre 4 autres qui peuvent signer avec vous pour nous faire sacrer pour avoir sponsorship comme ça. Maintenant, l'autre bagage qui est important pour nous clarifier, c'est que ce n'est pas n'importe monde dans le programme ça qui va remplir l'application. Pour remplir l'application dans le programme ça que nous avons parlé, hein, l'important pour que, ou bien, ou c'est you US citizen, ou bien ou gagner résidence, ça n'est le green card là. Parce que nous connaissons le programme Biden en open, presque tout le monde a appliqué comme sponsor pour le programme Biden. Mais pour le programme réfugié, il est différent. C'est-à-dire que c'est seulement sous US citizen ou bien sous green card. Par exemple, nous connaissons le TPS, nous avons pile mon TPS qui appliqué pour un pile famille ou même qui TPS ou bien qui a l'autre statut. Pour programme ça qu'on a parlé à ou pas capable de mettre. Mais ça m'a bien dit que vous pas qu'à chercher l'autre monde pour faire. Parce que le pas nécessairement, c'est parce que c'est au sponsor mon nom et que c'est pour faire.
Ou genwa pou yon goup moun ki an deyo, ki se pa ou men, ou mande yo pou fè aplikasyon pou ou, la sol chòz wap di, men pou ki moun wap fè aplikasyon. E aplikasyon sa, sa gen la nan kontijen diferan, e sa kamen di fò nou pranti chèz ba nou, pou nou chita, pou nou tande bien, pòske gen pil bagay ki pa mèm jan avèk program Biden nan. Aplikasyon sa, lò mande 5 moun nan, yo mande pou 5 moun sa yo kapab fè sa ke yon fundraising. Sa ve di ke pou chè fon pou yo montre ke, epan pil l'ajan, yo mande pou m gen prè de 2480 dolar, an nou di 2500 dolar, pou montre ke ou gen l'ajan sa pou recevoir moun nan. Ok? Parce que programme réfugié, son programme qui voit que, au lieu pour la guerre, responsabilité en sous agence que nous relèguons cette agence, ils fait groupe ça, qui est les private sponsorship ça, c'est eux-mêmes qui occupaient pour recevoir mon nom, à chercher les portes, par le côté pour l'habiter, par le manger pendant 90 jours, jusqu'à ce que mon nom prenne chemin. Ça veut dire que les outils sont différents, c'est ça qui me plaît clair, mais en même temps, ce n'est pas impossible, ce n'est pas difficile, ok? Mais de vous faire comprendre bien, on va capable de faire. So, again, let me go back. Mon sponsor capable d'appliquer avec quatre personnes que je connais, les gens 1000, mon l'église, li, ok, quel que soit mon connaît, dans la mesure que mon ça, c'est ou bien, c'est US citizen, c'est-à-dire que yo déjà, t'es prendre nationalité américaine, non? Ou du moins, ça, sont mon green card, ou bien carte de résidence dans le pays. C'est-à-dire que, ou gon lead sponsor qui est quatre personnes, nous former un private sponsorship, et puis nous entrer information dans Welcome Corps, nous gagnons un training pour la suivre, et puis après background check, pour connaître que moun sa yo pas un ken dossier criminel, etc. So, lorsqu'il fait tout ça yo avec Welcome Corps, yo vin certify yo as a private sponsor group. Kounya, lorsqu'il fait ça, yo pral voué le bail immigration. Immigration lui-même, pour aller connecter avec moun sa, qui n'a pays qui en dehors d'Haïti, hein, et puis pour faire interview avec lui. Si interview a passé bien, tout bagay nan plasyon, nan ti mouman bien rapide yo di nou, ya bay moun sa, dokumen de voyaj, la rentre kom yo refujiye, ki pral genyen akse a tout benefis ke nou paleyan, e yon nan pi ko benefis nan se ke lor rentre kom refujiye ou genyen akse avek green card ou pi rapide, e pou kapab vini yon US citizen nan 5 an si ko vin nan peyi ya e ke tout bagay normal. Bon fon ti kampe pou moun tade, ki kesyon nou genyen, eske nou wagan pil kesyon ka pose nan chat lan ou fason pou moun sur e certain ke informasyon pase bien. Kesyon. Et Try new Dial exfoliating body wash reveals soft and healthy feeling skin after just one shower. Dial up your day. Yeah, so nous déjà clair deux caractéristiques pour mon capable sponsor un programme ça. Premier, c'est que faut mon leader, un US citizen, ou bien mon ayant carte de résidence. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas US citizen, ou pas une carte de résidence, ou pas capable d'appliquer comme sponsor. Parce que il n'est pas aussi général que tout l'autre programme. Ok, c'est exactement ça que nous t'ai dit. Premièrement, et pour appliquer le programme, il faut que tu aies une application que tu aies faite pour le programme Biden. Ok? C'est-à-dire qu'il faut qu'on reçu, ok, de forme I-134A dans la main. C'est avec lui qu'on va l'utiliser. Mais reçu ça, comme on dit, il faut que les fêtes avant 30 septembre 2023. C'est-à-dire que si tu as appliqué pour mon en janvier, février, mars, avril, ou capable d'utiliser reçu ça pour que vous mettez l'application. C'est-à-dire que ou pas qu'à appliquer sur pas de I-134 là. D'ailleurs, le programme, non, c'est pour moun qui remplit I-134A qui en dehors d'Haïti. OK? Donc, très, très, très clair pour nous rendre ça. L'autre part encore, et nous dit en dehors d'Haïti, cependant, il y a une série de pays qui déjà ont une série de programmes d'assistance aux réfugiés qui pas qualifiés malheureusement. Par exemple, il y a un groupe qui a pensé rapidement, c'est le groupe qui est en France avec le groupe qui est au Canada. Sous Canada ou en France, pays ça n'est pas qualifié pour le programme ça. Ça veut dire que une série de pays qui qualifient pour programme tels que la République dominicaine, le Chili, le Brésil, Nicaragua et Venezuela, etc. Mais une série de pays, par exemple, et
ko sou la den ou pa ka aplike pou li men. E next time ap vin ap bo lis peyi ya. Pou le mouman, nan gwo kote Haitien yo ye yan, yo kapab kalifiye pou li men. Normalman, ki kote aske moun moun ti mou fè sponsorize kapab ale, kapab sponsorize? Ok, so, premièman, sa kem di, semen prochen, nou pral mette yon link de yo ki pou permèt ke nou vin partisipe lan webinar. Et puis là, nous venons dans le webinaire, nous avons tout créé account nous pour nous commencer à appliquer pour Web. C'est l'organisation qui est responsable pour travailler ça, les Welcome Cups. C'est une qui travaille avec le bureau de population et migration dans le gouvernement américain. Ça veut dire que son programme qu'il a, exactement pour aider avec question programme de réfugiés. Parce que chaque année, États-Unis ont un groupe de réfugiés pour entrer dans le pays. Et probablement, dans le cas à nous, il y a un peu de fin à atteindre le cap là. C'est ça qui fait probablement que y a lancé à nous-mêmes qui, dans le programme I-54, mais qui pas à vivre en Haïti. C'est-à-dire que sous des applications où tu es en Haïti déjà, ou mourir, il n'est pas éligible. C'est pour l'application qui a été faite pendant que tu es en dehors de Haïti. Et il y a vraiment de preuves pour montrer que, yes, les applications étaient faites pour être en dehors d'Haïti. C'est-à-dire que nous voulons dire ça clair pour que nous ne disions pas, oh, bon, courir à Saint-Domingue et puis m'a fait. Parce que, fort est Saint-Domingue déjà. On prend leur application est faite là pour que vous soyez capable d'éligible. Ce sont des critères que vous mettez, comme on connaît, chaque fois que vous programme, il y a plus, il y a minus, il y a bagaille pour éviter. C'est juste pour être capable d'éviter une série de problèmes qui fait faire comme ça. Cependant, c'est une bonne opportunité pour s'il a eu capteur, il s'est rendu compte ça depuis longtemps, et qui est en dehors, qui était appliqué en dehors d'Haïti, c'est une bonne opportunité, parce que l'Ovili, son statut de réfugié, ou joint plus avantage que si vous entrez directement dans le programme, non, comme ça. So, again, l'on a un groupe de sponsors, ça nous est les private sponsors, on capable d'appliquer pour up to 10 people. C'est-à-dire que si famille, là, t'es un maman, papa, petite, on capable d'appliquer pour tout le monde, ça y est. Et s'il le faut, un deuxième groupe, dans la mesure que Moun Sayo a venu vivre ensemble, presque même côté. Parce que l'important pour nous comprendre, il y a un aspect pour nous, c'est que nous parlons de personnes qui sont entrées comme réfugiés à l'aéroport, là, par exemple. Nous parlons pour Moun Sayo dans la rue. C'est ça qu'ils ont demandé pour créer un groupe, ok? Et les groupes là, tout, leur créer, l'important pour nous vivre dans la même zone. C'est-à-dire que, ou pas capable d'aider un grand monde qui est dans un groupe là, qui est Boston par exemple, et pour le co-sponsor qui est Miami, ou pour le co-sponsor qui est Florida. Parce que, on sort de Aria qui est beaucoup plus bas, c'est peut-être pour aider les gens à jouer accès à service pour que les gens ne pas tomber dans ça, en pile dans le frein à ce niveau tombé actuellement là.